Je reçois maintenant Mme Édith Laplante, directrice des ressources humaines chez Aliments à Stade de Saint-Alexandre. Bonjour Mme Laplante. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Oui, merci. Mme Laplante, vous êtes au service, entre guillemets, d'Asta depuis les 15 dernières années. Effectivement. Donc, vous êtes bien placée pour voir que les temps changent en mode ressources humaines un peu. Tout à fait. Les temps changent énormément à tout point de vue, autant au niveau du recrutement que des exigences de la main-d'œuvre. Des lois, les relations de travail, la diversité culturelle. On a une panoplie de changements là, déjà dans notre bagage d'expérience. Donc, ça prend beaucoup de capacité d'adaptation là, chez une directrice des ressources humaines. Ça prend beaucoup de capacité d'adaptation dans tout le département des ressources humaines, mais aussi beaucoup chez nos gestionnaires de premier niveau, que ce soit nos chefs d'équipe, nos superviseurs, directeurs de production. Effectivement, on doit s'adapter à tous les changements rapidement. Et les façons de recruter les candidats au fil du temps, elles ont changé? Est-ce qu'on fait plus de représentations, un peu moins parce qu'il y a beaucoup de travail sur le terrain? Comment ça fonctionne maintenant? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années. Donc, maintenant, les médias sociaux sont très présents dans le recrutement. On doit soigner notre image et être présent sous à peu près toutes les plateformes électroniques ou encore les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, bien entendu, Instagram et même garder vivant notre site web. Mais on doit aussi beaucoup faire de contacts directs. L'employeur doit maintenant beaucoup se vendre pour aller chercher des candidats. Avant, on voyait plutôt l'inverse. Les candidats se vendaient pour être embauchés. Maintenant, c'est à nous à séduire la main-d'œuvre et on doit aussi aller chercher toute notre créativité pour être attirant, pour être aussi que les gens soient curieux de venir nous rencontrer, montrer aussi qu'on va travailler pas seulement le travail ou la tâche en tant que telle, mais aussi le mode de vie, la vie en entreprise. On va travailler beaucoup ça. Puis maintenant, on travaille aussi sur l'aspect du recrutement plus à l'étranger en raison de la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire, Mme Laplante. Au niveau du milieu de vie à l'intérieur de l'usine, justement, comment les nouveaux employés s'adaptent chez Aliments à Stade? Qu'est-ce qui est fait pour eux? En fait, on essaie d'investir beaucoup de temps à l'accueil et intégration de nos nouveaux employés pour qu'ils se sentent bien dès le départ. Donc, on a, bien entendu, là, l'accueil avec la formation sur toutes les différentes normes d'hygiène dans le milieu alimentaire, dans notre cas, bien entendu, les différentes règles politiques de la compagnie. Mais ensuite, on prend soin de ces gens-là en leur faisant visiter les installations avant de les diriger vers leur poste de travail, en leur présentant toute l'équipe de supervision également. Et on s'assure, là, avec les ressources humaines et l'équipe de supervision, d'un suivi. Et le formateur, bien entendu, d'un suivi régulier là, pendant là, la première semaine et voire même le premier mois. On demeure à l'écoute et on s'adapte, nous aussi, aux différences et aux capacités physiques des gens. Effectivement, vous parlez de formateur. Donc, est-ce qu'il y a un système de mentorat instauré? Oui, effectivement. Chez Aliments à Stade, on a un numéro là, d'agrément d'Emploi Québec. On est un organisme de formation chez un employeur. Donc, on a monté tous nos plans de formation et tous les gens qui sont accueillis sont, dans le fond, jumelés avec un compagnon. Qui va montrer la tâche. Habituellement, un compagnon d'expérience, bien entendu, ou quelqu'un qui fait la tâche depuis assez longtemps pour être capable de l'enseigner. Faut savoir que chez nous, il y a beaucoup de rotation de tâches sur la chaîne de production. Donc, la personne va enseigner plusieurs tâches. Tant que le formateur n'a pas donné son OK pour laisser la personne évoluer toute seule sur la chaîne de production, la formation continue de se tenir jusqu'à temps que la personne soit prête. Ça peut être un avantage également de faire une certaine rotation comme ça, là. Oui, c'est un avantage sur tous les points, que ce soit pour briser la monotonie, pour connaître plus aussi de collègues de travail, de coéquipiers de travail, aussi pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, bien entendu, là, pour éviter les mouvements trop répétitifs. Et est-ce que, justement, par rapport à cette rotation-là, ça fait en sorte qu'aussi on peut avoir un certain avancement dans la compagnie quand on démontre un petit peu plus de polyvalence, par exemple? Effectivement. C'est sûr que chez Asta, on a déjà des rotations d'instaurer, une convention collective aussi à respecter. Par contre, oui, les gens qui lèvent la main, qui disent « moi, je suis intéressant d'en savoir plus », bien, écoutez, on en prend note et puis si c'est possible,
possible et quand c'est possible, on forme à davantage de tâches. C'est à l'avantage de l'employé de connaître plus de tâches, à l'avantage de l'employeur d'avoir du personnel plus polyvalent aussi. Et par année, ASTA embauche à peu près combien de personnes? Bien, en fait, nous, on a environ entre 485 et 520 employés. Ça bouge un petit peu. Par contre, on doit embaucher, là, je vous dirais, environ 80 personnes annuellement là, pour combler un taux de roulement sur la chaîne de production. Ce qu'on ne connaît pas dans l'équipe, par exemple, d'administration ou encore de bureau ou de maintenance. Mais on parle de taux de roulement, mais il y a également l'aspect de personnes qui s'en vont à la retraite. Donc, c'est des postes, j'imagine, qui seront à combler aussi, donc qui augmentent le défi. C'est sûr que pour moi, le taux de roulement, c'est tout ça. Hein. Ce n'est pas seulement les gens qui décident de quitter, c'est les gens aussi qui partent à la retraite. C'est des jeunes, souvent aussi, qui ont laissé l'école, peut-être à 17, 18 ans, puis qui décident d'y retourner plus tard. Différents facteurs à quitter son emploi. Le marché est très offrant aussi actuellement. Mais oui, effectivement, des départs à la retraite, pour nous, on le voit de plus en plus. D'ailleurs, nous, on offre la semaine réduite de travail. C'était ma prochaine question, justement. Exactement. On offre la semaine réduite de travail à un certain nombre d'employés par département pour le moment. Je vous dirais que ça fonctionne bien pour qu'on puisse garder nos gens plus longtemps. Donc, il y a des actions qui sont faites justement pour trouver des solutions à ces défis de main-d'œuvre-là. Et il y a aussi une bonne nouvelle, en fait, l'automatisation, effectivement, qui peut amener un autre défi aussi. Comment vous voyez ça, l'automatisation, là, chez ASTA? En fait, chez ASTA, actuellement, on a une équipe de travail qui est en train d'évaluer tout l'aspect modernisation de l'usine et automatisation, voir où il y a des opportunités d'amélioration dans notre usine actuelle, mais aussi dans les agrandissements et travaux de rénovation majeure qui vont avoir lieu d'ici environ 2 ans. On est vraiment à travailler pour faciliter le travail. T'sais, non seulement peut-être avoir besoin de quelques employés de moins, de mécaniser des tâches ou robotiser des tâches, mais surtout aussi de faciliter le travail de nos gens pour qu'ils puissent l'effectuer encore plus longtemps. On travaille pour garder nos gens sous différents aspects. Et il y a tout un aspect aussi de formation de la main-d'œuvre avec cette mécanisation-là ou automatisation-là. Effectivement. Donc, il faut planifier aussi dans un plan de développement de main-d'œuvre s'il y a des postes qui se modernisent. Si on doit aller chercher de nouvelles compétences, c'est des choses qui sont sur la planche de travail actuellement. Et je voulais aussi vous amener sur la réalité de Alimentsta qui embauche un bon 10% d'employés, de travailleurs étrangers. Exact. Donc, on sait que vous avez atteint souvent ou chaque année votre seuil assez rapidement. Oui. Donc, quelles sont les actions qui sont faites en ce sens-là, justement, pour vous aider dans le recrutement? Bien, en fait, effectivement, le gouvernement fédéral nous impose une limite de 10% pour embaucher des travailleurs étrangers qu'on dit temporaire. Actuellement, malheureusement, il n'existe aucun programme pour une main-d'œuvre non spécialisée qui pourrait être embauchée de façon permanente. Donc, souvent, la porte d'entrée pour ces travailleurs-là, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires. Par contre, on les supporte dans l'obtention d'un certificat de sélection du Québec pour qu'ils obtiennent leur résidence permanente. À ce moment-là, lorsqu'un travailleur a obtenu sa résidence permanente, il sort de notre ratio de 10 % donc on peut embaucher d'autres travailleurs étrangers temporaires. Mais on travaille aussi avec des agences extérieures qui sont situées à Montréal, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, qui, eux, nous permettent d'aller chercher aussi des immigrants qui sont résidents permanents, qui sont intéressés à venir s'installer dans notre région. Donc, ça a été un beau défi à relever, ou ça l'est encore, justement, au niveau des personnes immigrantes à embaucher chez ASTA. Oui. Dans les 15 dernières années, on parlait en début d'entrevue des changements. J'imagine que c'en est tout un. Effectivement, depuis 2012, dans notre cas, qu'on embauche des travailleurs étrangers. Donc, je pense qu'on est rendu assez compétent dans le domaine. On a appris et on a fait des essais, des erreurs. En fait, ça va très bien. Nos employés sont très accueillants par rapport à notre main-d'œuvre étrangère. On a préparé aussi le milieu les premières années. On a travaillé beaucoup en collaboration avec la municipalité de Saint-Alexandre, les commerces du coin pour les accueillir. Et puis, ça fait que, il y a une communauté de Philippins qui habitent maintenant
Saint-Alexandre, mais on a embauché aussi dernièrement plusieurs gens qui viennent d'Haïti et de l'Afrique. Donc, tranquillement, ben, ces gens-là s'installent et aiment beaucoup le Kamouraska ou la région là, dans l'ensemble. Madame Laplante, Alimasta est en recherche active de candidats pour plusieurs postes. Combien de postes à peu près sont à pourvoir chez Alimasta actuellement? Actuellement, je vous dirais une trentaine de postes sont à combler actuellement. On parle surtout principalement de journaliers sur la chaîne de production, donc d'équipiers qui vont faire différentes tâches dans nos différents départements, soit le département de l'abattage ou de la découpe, transformation, expédition. Et nous recherchons aussi adjointes administratives, des gens d'administration bilingue, en fait, et des gens à la maintenance, là, en manque de candidature, électromécaniciens, soudeurs, toujours à la recherche. C'est les emplois là, qui sont les plus difficiles à combler actuellement. Et quand un candidat vous apporte sa candidature, quelles sont les spécialisations que vous demandez justement pour un poste de journalier, par exemple? Pour un poste de journalier, on n'a pas d'exigence très élevée. Nous, ce qu'on veut, c'est que la personne soit disponible, qu'elle ait une bonne capacité physique et qu'elle soit quand même habile manuellement. Et on donne toute la formation de A à Z, donc on n'est pas inquiet que les gens qui ont ces trois critères-là puissent bien réussir chez Asta.